Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc c'est officiellement le dernier vlog de l'année, puisqu'après on attaque les Vlogmas. Il n'y a que le nom qui change, hein, le contenu sera le même, hein, on est d'accord, mais c'est juste que Vlogmas ça fait plus chouette en décembre. Voilà. Alors, on a fait le live pour le fond et je l'ai un petit peu modifié, donc je vous montrerai ça après. Là, je vais d'abord commencer par vous expliquer mon week-end. Là, je viens de tourner deux vidéos du calendrier de l'Avent et je dois encore faire l'intro d'une autre. Et voilà. Donc, vendredi, on a fait le live pour installer la déco et je me suis pris un big fou rire parce que je me suis effrayée moi-même avec ma tronche. Donc, je vous le remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Le samedi, j'ai fait des bricolages de gnomes. En plus, j'ai eu une commande pour trois petits gnomes. Donc, il m'en reste plus qu'un à faire que je vais terminer certainement aujourd'hui. J'ai modifié un petit peu le fond. Voilà. Regardez pendant que je vous explique mon week-end si jamais vous voyez ce qui a changé par rapport au live. Et le soir, j'ai regardé la Starac en faisant des gnomes, tout simplement. Dimanche, donc hier, j'ai tourné le concours de Noël. Et le premier make-up de la palette 3 looks de l'Interstellar. Ah, j'étais toute m'émotionnée de tourner ma première vidéo du calendrier de l'Avent. Voilà, ça me transporte déjà à Noël. Bon, après, on va bientôt commencer la semaine prochaine. On peut déjà commencer à offrir les calendriers de l'Avent. Donc, c'est génial. J'ai hâte. Et comme je vous avais demandé sur Insta, on ouvrira donc le contenu du week-end. On l'ouvrira le lundi suivant. Puisque comme ça je vous spoil pas si jamais vous avez aussi le calendrier. Voilà. On a été. Après que j'ai fini ma vidéo, on a dû courir au cactus. Bon, on a fait les deux, Bacharach et Pétanque d'ailleurs. Parce que j'avais plus de café. Et le chien n'avait plus de poulette. Donc on a dû courir en urgence me chercher des cafés avant que je dépérisse. Et du coup, la caissière à Bacharach, c'était une dame assez âgée, qui a fait une fixette sur mon make-up. Pourtant, j'avais rien fait d'incroyable. Vous verrez ça dans le. C'est le premier make-up de la palette, d'une palette 3 looks. Elle a fait une fixette sur mon make-up, puis elle n'arrêtait pas de me dire: oh, c'est beau! Oh là là, c'est beau! Oh, c'est beau! Avec son accent luxembourgeois, c'était trop mignon et c'est trop touchant. Elle me dit: oh là là, vous avez dû mettre du temps pour faire ça. Ben non, c'est ce que je fais tous les jours, hein. Alors, elle rigolait, mais voilà, c'était vraiment. C'était mignon. C'était touchant. Et voilà. Hier, j'ai tourné mes ongles, donc je ne vous montre pas trop. Enfin, vous allez les voir tout au long de la semaine, mais c'est la dernière vidéo avant. Bah, c'est celle de lundi qui vient pour vous, je pense. Attendez, je vérifie sur mon agenda. Ouais, c'est la vidéo de demain pour vous. Donc, vous verrez ça pas demain, tout simplement. J'ai toujours ce foutu poil là qui m'enquiquine, je sais pas c'est quoi. Quand je regarde vers le bas, j'ai l'impression d'avoir un poil, mais je vois rien dans le miroir, je vois rien sur moi. C'est bizarre. Et même en frottant. Donc je regarde si c'est pas un poil, un duvet que je dois arracher. C'est bizarre. Je pense que je donnerai un petit coup de rasoir sur mon œil ici tout à l'heure. Alors, programme du jour. Aujourd'hui, je vais achever de faire l'intro de mon truc de couture. Enfin, je vais commencer à faire l'intro. J'ai pas encore commencé. Et j'aimerais bien ranger mes palettes. En fait, j'aimerais bien les enlever de l'étagère là et les mettre ici en dessous pour avoir plus facile d'accès. Parce que là, comme je suis petite, c'est un peu haut pour moi quand même. Donc, je pense que je vais les mettre ici en dessous, au moins dans les deux cases là, parce que je pense qu'elles rentrent. Les deux, peut-être les trois cases. Mais oui, mais là, il y a le truc. Enfin, je vais voir comment je vais jongler ça. Et je les ferai avec vous, mais je pense que je vais les mettre en musique. Je ferai ça après. Voilà, c'est le programme du jour. Demain, je vais aller faire ma scintigraphie. Donc, je ne sais pas si je vous prendrai. Je ne sais pas dans quel état je vais être avec, le produit qu'ils injectent là. Je vais être radioactif. Donc, je ne peux pas être à proximité des bébés Titi. Donc, on va devoir les mettre dans mon bureau. Donc, je pense que je ne pourrais pas vlogger déjà le matin, puisque ben, chérie sera en bas.
vu qu'il est en congé, et les titis sont en haut, et je ne peux pas être à proximité d'eux. Donc, je ne sais pas où je pourrais me mettre pour filmer, pour vloguer tranquille. Donc, je pense que demain, je ne vous prendrai pas en vlog. Ben voilà, parce que je dois faire mes examens médicaux. Je n'ai pas le choix, je dois absolument les faire. Donc, j'ai hâte d'avoir le retour de cette scintigraphie. Là, mais comme j'ai rendez-vous que le 16 mars chez le médecin, ça va être tendu. Donc voilà, cette semaine aussi, je vais aller déposer les cadeaux d'anniversaire de ma nièce, c'était le 30 octobre, hein, et des jumeaux qui étaient le 14 novembre chez mon frère. Là, j'attends qu'ils me confirment quel jour ils sont là tous, parce que ils ont beaucoup d'activités extrascolaires. Donc, si on y va le mercredi, les gosses sont. Enfin, le petit, la piscine. Le mardi, ma fille, elle est la foot. Le jeudi aussi, je crois. Donc. À part aujourd'hui ou vendredi, mais le week-end, ils sont souvent débordés. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais goupiller. Et voilà. Donc là, je vais filmer mon intro de mon truc de couture. Je vais aller me refaire un petit café et tout ça. Et je reviens après pour ranger mes palettes. Alors le fond, qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai remonté la guirlande avec des punaises. Parce que ça pendait trop, on voyait le câble. Ben, vous le voyez sur la vidéo du concours. J'ai rajouté des loupiottes qui reviennent sur les étagères. J'ai mis le sapin et la petite maison ici. Et j'ai changé le Bambi. J'ai mis celui-là, mon Bambi de Noël. Parce qu'il y a des espèces de petits flocons à l'intérieur. Voilà. Et puis l'argenté, je trouve qu'il va bien. J'ai remis quand même ma petite couronne. Parce que... Voilà. Au-dessus, mais vous ne voyez pas, vous verrez ça dans la vidéo couture. J'ai mis les cartes pour que ça cache un peu. Et que ça fasse pas moins Noël. Et là, j'ai remis la couronne et j'ai mis le truc de sapin en dessous du Père Noël. Voilà. Et je trouve que les guirlandes, ça donne vachement mieux comme ça. Bon, on voit pas la lune, elle est juste cachée derrière moi, c'est dommage, mais tant pis. Mais comme ça, c'est très joli, je trouve. Voilà. Bon, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous reprends après pour ranger les palettes. Alors, il est 9h20, chérie vient de partir laver la voiture puisqu'on a rendez-vous à 11h pour la mettre en vente.
C'est sur vendez votre voiture, moi, mais on en a juste ici. Ça vous étonne si je vous dis que j'ai les carreaux dégueulasses? Je crois pas. Donc hier, j'ai été faire ma scintigraphie et oh mon Dieu, j'ai jamais vu un médecin, c'était une femme, aussi antipathique. Mais jamais, 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 jamais. Genre, franchement, elle a de la chance que j'étais fatiguée parce qu'elle s'en serait pris plein la gueule. J'ai jamais vu ça. Je suis arrivée. Donc, vous savez que j'ai beaucoup de pertes de mémoire et tout ça. Donc, quand je téléphone quelque part pour prendre un rendez-vous ou des infos ou n'importe quoi, j'ai toujours mon carnet à côté de moi et je note absolument tout ce qu'on me dit. Et je suis arrivée, j'avais pas le papier du médecin. Donc, j'aurais pu l'oublier, hein, mais j'étais sûre. Je vais dire à 90% qu'on ne me l'avait pas dit au téléphone, puisque sinon je l'aurais noté d'office sur mon petit papier, puisque j'avais carrément noté que je devais aller faire pipi. Donc, vous voyez, en principe, je note tout ce qu'on me dit pour être sûr de rien oublier. Et donc la secrétaire me dit, bah, écoutez, je vais voir avec la doctoresse, avec le médecin, si elle veut bien quand même faire l'injection et tout ça, quoi. Mais je dois revenir de toute façon après, je vous dépose le papier après. Je vais pas venir, je demander un truc médical, un examen médical de cette ampleur, juste pour m'amuser, quoi. Forcément, j'ai un papier du médecin. Mes carreaux sont vraiment dégueulasses. Prenez une lingette pour les nettoyer pendant que je m'excite à vous raconter. Oh, j'ai plus de batterie, portail. Et du coup, j'ai au rendez-vous de la doctoresse et elle me demande, déjà elle m'engueule et puis elle me dit, je dis non, elle dit, pourtant on vous l'a dit au téléphone, je dis non, je suis quasi sûre qu'on ne me l'a pas dit, sinon je l'aurais noté d'office, si je me connais quand même, quoi. Si, vous dites n'importe quoi, on le dit d'office, mais ouais, mais c'est pas vous que j'ai eu au téléphone. Ben non, ben alors, moi je peux oublier les choses, mais l'autre personne au téléphone a pu aussi oublier des choses. Surtout que je lui ai posé beaucoup de questions par rapport au bébé Titi et tout ça, hein, ou aux enfants, puisque je ne pouvais pas être en contact avec des enfants, des femmes enceintes et compagnie. Donc je lui ai posé énormément de questions, donc elle a très bien pu s'en mêler les pinceaux et oublier de me le dire parce que je lui posais trop de questions. Ce qui peut, je peux m'être trompée, enfin avoir oublié, mais elle peut avoir oublié aussi. Donc tu m'agresses pas, voilà. Je comprends que ce soit chiant pour les papiers, mais tu m'agresses pas, quoi. Et puis, donc du coup, elle fait quand même le truc, et puis elle me dit, et vous venez pourquoi? Ben, je dis, écoutez, le médecin, le rhumatologue, veut que je fasse une scintigraphie osseuse du corps entier. Ben non, je ne vais pas vous irradier tout le corps. Ben, je dis, c'est ce que le médecin a marqué, c'est ce qu'il m'a dit que je devais demander. Oui, mais non, vous choisissez soit le haut, soit le bas, mais je ne vous irradie pas tout le corps. Bon, ok. Donc j'étais déjà fin énervée. Et puis elle me dit, bah, vous pouvez retourner dans la salle d'attente. Mais il y a deux salles d'attente dedans pour les personnes injectées et pour les personnes non injectées. Donc je n'étais pas encore injectée. Donc je lui dis, je vais dans quelle salle d'attente? Je viens de vous dire que j'allais vous accompagner, mais je ne l'ai pas entendue. Elle parlait avec une voix de souris, là, comme si elle était toute seule et qu'elle se murmurait à elle-même. Par contre, pour gueuler et être très agressif et déplaisante, là, elle savait parler plus fort. Hein. Pouh. Donc, voilà, j'étais énervée. J'ai un bouton ou une tache? J'étais fin énervée. Et puis, j'ai dû retourner après, 3 heures après, pour faire le deuxième passage scanner pendant plus d'une heure. Je n'en pouvais plus. J'en avais marre. J'avais mal partout. Bon, bah écoutez, moi, je dois encore tourner une vidéo en espérant avoir le temps de la tourner avant qu'on aille au truc. Faut que j'aille recharger un petit peu ma batterie, donc je vous reprends avant de tourner la vidéo pour vous montrer. J'ai reçu mon pull de Noël Stitch, donc comme ça je vous montre. Bon, vous aurez un haul, mais comme j'ai fait un gros craquage avec le Black Friday, vous aurez un haul spécial Black Friday, je sais pas quand, mais voilà. Donc je vous reprends après. Je vais aller recharger un petit peu ma batterie, faire pipi et tout ça, tout ça. Et je vous reprends après pour vous montrer le pull. Il est super. Alors, il est 10h07 et DJ va arriver. Je vous ai pas repris hier finalement parce que ça a pris plus de temps pour la voiture que prévu. Et après, on a été chez mon frère déposer les cadeaux d'anniversaire des gosses. J'ai des paillettes partout parce que j'ai oublié d'enlever mes paillettes hier avec du scotch avant de me démaquiller. Donc j'en ai absolument partout. Un bon nettoyage de peau ce soir, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer les pulls Stitch. Enfin, mon pull. J'en ai commandé deux, mais l'autre c'est un cadeau pour la copine d'Enzo. Regardez comme c'est beau. Il est trop beau.
Alors, par contre, c'est une matière un peu comme les maillots de foot, là. Donc, c'est pas très épais. On voit en transparence, d'ailleurs. Mais bon, moi, c'est le genre de truc que je mets de toute façon pour dormir ou traîner à la maison. Là, j'ai remis mon pilou-pilou parce que je crève de froid. Je n'en peux plus. Voilà, il est trop beau. Je suis trop contente. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais. Et j'ai pris en version rouge pour la copine de Lido. Sauf que ben, c'est rouge avec juste des flocons. Il n'y a pas les petits cadeaux, les petits gobelets et tout ça. Mais je pense qu'elle préférera plus simple. D'ailleurs, je vous montre juste les déco stitch parce que bon, c'est toutes les mêmes. Donc je vous en montre qu'une. Comme ça, je peux vous mettre le lien en barre d'infos aussi. J'en ai pris une pour moi et une pour vous mettre dans le lot des du concours qui va bientôt sortir, hein, qui sort le premier. Voilà. Bon, je ne vous les ai pas montrées dans la vidéo parce que alors, il y a un petit grelot et vous pouvez aussi les accrocher au pare-brise de vos voitures, des choses comme ça. Le reste est pour le hall. Ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Et voilà. Donc, hier, on a été vendre la voiture et ils nous en ont donné le prix qu'ils nous en avaient proposé sur Internet. Donc, c'est génial. Elle va manquer, cette voiture. Voilà. Mais enfin, au moins, une bonne nouvelle. On ne perd pas trop d'argent. Ça, c'est bien. Il y a un autre truc que je voulais vous dire. Ah oui, je vais recevoir, mais je ne sais pas quand du tout, pour un partenariat, le calendrier de l'Avent de 12 jours de Focalure. Parce que Amy avait donné ma chaîne à Focalure après son partenariat. Et du coup, ils vont m'envoyer le calendrier, mais j'ai 7 jours pour faire la vidéo, donc après réception. Donc je ne pourrais pas le filmer au fur et à mesure dans les Vlogmas, mais je dois faire une vidéo dédiée. Donc on verra quand est-ce que je le reçois, ma foi. Et hier, en faisant des bricolages, je me suis cramée. Avec la colle chaude, j'ai le truc que j'ai voulu coller qui s'est retourné sur ma main, qui s'est collé sur mon doigt et j'ai une cloque. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais je suis gravement blessée. J'ai douillé, hein. J'ai pleuré tellement j'ai mal. Parce que bon, la colle chaude est restée collée à ma peau en plus, donc là, je sais pas si je dois percer ou pas. Je vais remettre un peu de jette à l'aloe vera parce que j'ai trop mal. Et la remballer un peu avec plein d'huile de gel d'aloe vera. Et dernière petite chose, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Hier, chez mon frère, quand on a été déposer les cadeaux, j'ai récupéré un paravent qui est neuf, un peu esprit zen. Il sera bien quand je mettrai, quand je fais mes close-up pour les coutures. Donc je vous montre. Oui. Chérie m'a tapé là. Hein. Bon, passage. Donc les deux côtés sont différents, mais. Ce sera chouette. Je vais le mettre là dans le coin. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et l'autre côté, si j'arrive sans le déglinguer. Hop là. Attendez, je suis coincée. Ah, je suis coincée. Et il y a l'autre côté. Donc ce sera sympa pour tourner les close-ups, ça fera plus beau que de voir mon meuble ou mon petit bordel. Donc voilà, je suis contente. Je sais pas où je vais le mettre. Peut-être là, le même de la porte. Attention, vous ne le verrez pas dans les vidéos. Et voilà. Eh bien écoutez, moi je vais aller voir, je vais aller attendre des gilets, va arriver là. Donc je vais descendre près de TJ. Je récule là, mais voilà. Je suis fatiguée. Hein. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai très mal dormi avec ma douleur à la main. Là. Et je viens de passer la matinée à tout ranger, nettoyer. Donc je suis épuisée. Et puis j'ai fait la cage des titis avec les titis de sortie. C'était la galère. Compliqué. Donc voilà, bah, écoutez, on clôturera demain. Je pense que ce vlog va être assez petit. Hein. Je suis désolée, mais la semaine de congé de chérie, on a eu plein de choses à faire. Donc voilà. Bref. Bon, allez, sur ce, on switch de jour. Bon, il est 9h21. Je viens de tourner ce réel que vous aurez ce soir. Alors oui, j'ai regardé, j'ai fini la série mercredi. Et du coup, ça m'a envie de refaire cette coiffure-là.
Et voilà, j'ai une idée de make-up aussi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Bon, on verra bien. Hier, on a été chez Action. Donc là, je vais vous filmer le haul que vous avez déjà eu. Donc, je vous remets en barre d'infos. Et ben, ce make-up aussi, d'ailleurs, je vous remets, parce que je vais sûrement vous le mettre en short aussi pour ce soir ou demain matin, pour moi, je ne sais pas, mais vous l'aurez déjà eu, donc je vous le remets en barre d'infos également. Hier, on a été donc chez Action, puis après, on est passé aux courses. Alors, Erika, je suis désolée, j'ai oublié Erika. Voilà, c'est une abonnée qui devait passer des achats qu'elle m'a fait. Et j'ai complètement zappé. J'ai zappé l'heure, j'ai tout zappé. Donc elle vient aujourd'hui après 13h. Donc voilà. Moi j'avais essayé de négocier avec Chéri pour aller chez Primark demain. Verra bien. Du coup, on est passé chez Cora après faire les courses. Hein, et j'ai acheté ça. Ça fait plusieurs fois que je suis chez Action que j'oublie. Et là, je l'ai vu, il est en promo. Donc je l'ai pris. C'est du truc pour recouvrir les cahiers. Normalement, vous savez, transparent et autocollant. Pour mettre derrière la cage des titis sur le mur pour pouvoir le nettoyer plus facilement. Ah, et ça, bah oui, vous savez, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je mets des petits pansements, des compresses pour essayer que la cloque, parce qu'elle est super gonflée et super douloureuse. Donc voilà, j'hydrate au max, je désinfecte et j'hydrate. Hein. Donc voilà, j'ai acheté ça et j'ai juste trouvé une petite déco de Noël. C'était pas bien foufou, elle est à 3,49 €. En plus, c'était pas bien donné, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore les flocons dans mon sapin. Donc voilà. Elle est trop jolie, un peu nacrée comme ça, opalescente. J'aime beaucoup. Donc ça me fera une petite déco, une petite nouvelle déco dans mon petit sapinou. Alors ce vlog est très court. Hein. Le premier qui dit quelque chose, je le mange. Voilà, je le bouffe. Je suis désolée, hein, mais enfin, de toute façon, je suis désolée, je peux rien faire. Je peux pas faire plus que ce que j'ai à faire dans ma vie. Hein. Pourtant, j'ai pas arrêté cette semaine, mais c'est ça aussi, c'est que j'ai beaucoup été pas là et que Chéri a beaucoup été là, lui, contrairement à d'habitude. Donc, petit programme de la semaine prochaine. Oh, bah, je vais pas vous dire grand-chose. Lundi, le nail art, que j'ai vite trop vous montrer. Mercredi, le Disney Challenge, donc là, c'est à 16h. Et jeudi, on attaque le calendrier de l'Avent avec le concours pour commencer. Et j'ai trop hâte. Mais je vous donnerai pas le planning. Voilà, je vous laisse un petit peu la surprise, vu que c'est une vidéo par jour. Donc je vous laisse un petit peu la surprise du planning. Il y a juste que le premier jour, ben, c'est le concours. Et voilà. Puis surtout que je change. J'ai encore changé un peu, modifié ce matin, puisque je vais devoir faire la vidéo du calendrier de l'Avent Focalure. Donc j'ai essayé d'estimer à peu près une note, parce que le problème, c'est que comme je mets le jour sur le titre de ma vidéo, enfin l'intro de ma vidéo, une fois que je l'ai filmé, je ne peux plus changer. Enfin, une fois que je l'ai monté, filmé, ça va, mais changer, monter, je ne peux plus changer. Donc il fallait que j'incorpore quelque part, mais je vais garder 2-3 vidéos de pas monter pour si jamais je dois la décaler un peu. On verra bien, essayer de m'arranger comme ça, parce que normalement j'intègre pas de nouvelles choses dans le calendrier de l'Avent. Pour justement éviter ce genre de réflexion, parce que réfléchir c'est compliqué parfois, et là j'ai pas le choix, donc voilà. Surtout que vous voulez un haul du Black Friday, donc ça aussi il faut que j'incorpore, et que je sais pas du tout pour les délais de livraison. Bon, là j'ai commandé sur Colourpop ce matin, j'aurai clairement pas avant de tourner le haul, mais j'ai pas pris grand chose. Mais je vous montrerai ça quand je ferai le haul, si je les ai pas reçus, j'incorporerai la petite image. Et voilà, ben voilà ce qui conclut ce vlog. Le dernier officiel de l'année avant d'attaquer les Vlogmas. Oh, j'ai trop hâte d'être à jeudi prochain. Surtout qu'on va pouvoir déballer les calendriers. Là. Ils trônent là depuis un certain temps. Donc moi j'ai filmé mon haul Action. Je vais essayer de filmer encore une petite vidéo qui devrait être assez rapide. Enfin, je dis ça, mais voilà. Et on verra où j'en suis à ce moment-là. Parce que j'aimerais bien aller chez Extra aujourd'hui. Mais chérie dort encore. Donc là, je vais me fumer une petite clope, me refaire un petit café parce que je suis gelée. Mais alors, vraiment gelée. Et on verra quand il sera réveillé. Parce que là, il faut que je fasse le montage de toute façon du haul pour ce soir. Donc je vais me dépêcher à faire ça pour être sûre.
Voilà. Donc, on se retrouve de toute façon demain. Je vous souhaite une superbe semaine. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui arrivent presque tous les jours, hein, jusque le 31 décembre. Et parce que si je vais chez Primark, il y aura une vidéo bonus Primark mardi. Mais je ne sais pas du tout si je vais y aller. Voilà, j'ai discuté avec ça avec Georges ce matin. Mais chérie n'est pas encore au courant. Voilà, vous verrez bien. Bref. Allez, moi du coup, je n'ai plus qu'à vous dire de passer une très bonne semaine et de vous faire plein de bisous, bisous.